Cette émission vous est présentée par l'Ami du Moucheur, Tourisme Centre du Québec et Toyota Victoriaville. Qu'est-ce que je fais ici? Il n'y a pas de poisson ici. Je m'en vais en Norvège rejoindre LG et ça, c'est un guide attitré de guideline. Ce gars-là va essayer de me faire prendre mon premier saumon norvégien. Bon, le défi, là, premièrement, je vais essayer de me rendre à Rivière. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, je vais simplement essayer de prendre mon premier saumon norvégien. La Norvège, là, c'est des décors formidables. Et chaque paysage est une carte postale. Je vais essayer de rester concentré. Je suis porté à toujours être concentré sur les saumons. Mais là, je vais prendre le temps de regarder à l'entour. Là, en passant, là, je me suis préparé pour ce voyage-là. Mon vocabulaire norvégien est impeccable. Fisk pour poisson, lax pour saumon, fisk pas pour fish on. Si un jour j'entends sur une rivière du Québec fisk pas, va me dire il y a un petit peu de moins là-bas. Là, j'ai beau chercher, mais je trouve pas des mouches hors taxes. Bizarre, on va falloir remédier au problème. C'est décevant. Moi, je m'attendais à avoir des mouches hors taxes, là. Je suis quand même très excité, là. Sérieusement, là, c'est un rêve qui se réalise, ça. Je vous le fais réaliser avec moi. C'est pas n'importe quoi, là. Moi, je vais prendre un saumon norvégien, là. Il parle pas la même langue que mon saumon au Québec, là. Non, non, non. Là, je viens d'arriver à Oslo, et puis on prend un petit auto, on fait à peu près 6 heures de route pour aller rejoindre LG, et puis on va pêcher demain. Le feeling est vraiment bon, là. C'est excitant, là. Écoute, je vais essayer de prendre mon premier saumon norvégien, là. C'est pas rien, ça, là. C'est vraiment beau, cet aéroport-là. Toute l'architecture, le bois. Regarde ça au bas, là-bas, là. C'est joli. C'est impressionnant. C'est une des belles aéroports que j'ai vues. Pas la plus grande, mais une des plus belles. Je suis capable d'apprécier les belles choses, là, quand même. C'est pas parce qu'il n'y a pas de poisson que j'haïs ça, là. Moi, je trouve ça beau, là. Hello. Hey. Welcome here. Thanks for having us. Yeah. I'm sure that I'm not the only guy who tells you that the sceneries are wonderful, eh? Yeah. It's a privilege to be based here and to be able to guide this river, you know. But sometimes that's a problem because the fishermen, when they're fishing, they're like this all the time. Talk about the Eira River. The Eira River is approximately 8 kilometers long. It's the river you come to find the ultimate challenge and the ultimate experience because the water is so crystal clear. But when it comes, you really see it. And we also have big sea trout here. So an experience like that is something that you never forget. Yeah. And what about the rules?
here? There's an old English tradition here because all the rivers in Norway have English history. The Englishmen were the first one who brought the fly fishing and sport fishing here. Uh-huh. So because of an old English tradition, this river, you're not allowed to fish it in the middle of the day from 1 o'clock to 6 o'clock. That's because that's when the Englishmen like to have their tea. Okay, it's a tea break. Yeah, it's a tea break. And, you know, 99% of people fishing are men. And yeah. I think the wives are pretty happy about the little the break as well. They don't complain. How many hours can you fish here? Because there's night is not really long. But you can fish all night. And for my trip, me, how many hours there'll be at night? It's middle of July now, so 2 hours of darkness, and it's not complete dark. It's a good thing that we have the tea break, eh? Yeah. That's a good thing. Yeah. Because you can fish a lot. Yeah, we're gonna fish hard. My plan is that we fish hard here, and then I want to show you another river, my home secret river. Oh, I like that. Yeah. So that's also something that we offer, but our base is here at the Eira, and it's, you can't find another, a more beautiful base. And salmon are big here. The salmon is big here, but you gotta fish hard for them. No problem. Yeah. I'm ready for that. Yeah, I'm pumped up. We're ready to go fishing. Oh yeah, we are. Yeah. Definitely. So thank you very much. Yeah. Ami Peshar. Thank you, Eddie. Elle gît, là. Je pense que j'ai trouvé mon frère. J'ai l'impression qu'on va bien s'entendre. Deux passionnés, deux crinqués. Il dit que les saumons ici, dans le bas de la fosse, sont très peureux. Ce qui fait que c'est une fosse qui va pêcher soit plus tard le soir, justement, quand la lumière n'est plus là, ils sont moins peureux. Mais là, présentement, il me l'a fait pêcher parce qu'il pleut énormément. Et puis bon, ben, ils sont moins peureux parce que là, ils voient moins bien avec toute la pluie. Ça les sécurise, eux autres, ces saumons-là. Fait qu'on va l'essayer. C'est vraiment génial où est-ce qu'on a pêché, là. Mais bon, on n'a pas réussi à prendre le saumon norvégien, mon premier. Et comme dit LG, l'eau était froide, donc c'est plus difficile un peu. Puis, bien, on va continuer. On change d'endroit, puis on va pêcher ailleurs. On va continuer. On lâchera pas. Nine to five, or five to seven, you'll find a way. C'est super plaisant. Un petit peu de pluie, de temps en temps, un petit peu de soleil, des décors époustouflants. Il y a une affaire, par exemple. L'eau n'est pas froide, elle est fraîche. Parce que ça vient directement des montagnes et puis ça coule dans la rivière. Là, LG m'a fait pêcher avec un muddler suivi d'un 10 pieds ici qui est tout à fait calant parce que l'eau est très froide, donc il faut faire descendre la mouche un petit peu parce que quand l'eau est très froide, le saumon est moins actif pour venir chercher la mouche. Donc là, en descendant la mouche avec le 10 pieds calant, ça va apporter la mouche peut-être dans un pied, deux pieds. Le saumon va pouvoir prendre la mouche plus facilement vu qu'il est plus gelé, son métabolisme est plus au ralenti. Donc ça augmente nos chances. When you're falling, but having fallen, when your body's stalling, you'll keep yourself straight. When you're covered by the sheet of work, but trying to get away, find the light of day. Bon, ben, on vient de changer d'endroit. C'est pas n'importe lequel. C'est splendide. Vraiment, l'eau d'une clarté exceptionnelle. LG m'a dit, il y a des poissons ici, il ne reste qu'à nous de les faire mordre. Et c'est ça que je vais faire, là. As fast as time allows us, and as quick as our bodies can grow, we are born in. Oh, fish. C'est une truite. Quel bonheur!
une belle truite norvégienne de wouh! Yeah, man! Wouh! Tu ça? Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense mentalement. Dans la pêche, d'avoir des si beaux paysages et que boum, ça tire de même, c'est phénoménal. Il y a la beauté des montagnes et la beauté des truites de mer aussi. Mille merci. Dans une tête. Colin, t'es fin, ça. Il y a beauté de la Norvège, de ses paysages et aussi de ses belles truites de mer. Regardez ça si c'est beau. Ça ressemble à un saumon, c'est de la folie à faire ça ressemble à un saumon. Merci. On a pêché toute la journée, décor, paysage de fou. J'ai pas réussi à mon défi, j'ai pas réussi à mettre la main sur mon premier saumon. Ce que je m'aperçois, c'est que je peux pêcher encore. Là, il est 11 heures. Pas le matin, le soir. Et je cherche la brunante. Où est la brunante? En tout cas, chose certaine, c'est que là, je suis plus capable. Je cherche toujours la brunante. Il n'y a pas de nuit ici. Je suis dans le décalage horaire. Je vous laisse sur un beau paysage, par exemple. Nouvelle journée. Là, je suis très excité parce que je suis dans la rivière secrète à LG. Là, on voit d'autres choses. Il n'y a pas des grosses montagnes partout, là. Non. Là, pendant 7 km de temps, on va descendre puis je vais lancer la mouche aux endroits où ce que LG va me dire parce qu'il y a des places où ce que les saumons se tiennent et puis c'est tout petit. Donc, c'est la première fois que je vais faire ça. Ça va être bien plaisant. Et LG a l'air très confiant. Très, très confiant, mon gars. That's a trout. Trout! Yeah. Oh, ho, ho! Oh, wow! It's a beautiful trout. We lost it. Bon, là, LG est en train de m'expliquer comment pêcher donc dans des petites rivières comme ça. Puis il me dit, normalement, quand il y a une truite dans la petite fosse ici, il n'y aura pas de saumon parce que le saumon, quand il est là, il va venir tasser la truite. Donc, il va la tasser, tasser de là. On va pêcher un autre endroit parce que cette truite-là a mordu, si elle est là, c'est parce qu'il n'y a pas de saumon là, normalement. Je trouve ça tellement intéressant, là. C'est la première fois de ma vie que je vis une expérience comme ça, puis c'est fabuleux. Oh! Fish on! Woohoo! Ho, ho, ho! Yes, LG! C'est une truite de mer que LG a, là. Une grosse truite de mer, à part ça. Les truites de mer sont très, très combatives. On a eu le droit. Wow! Oh, wow, la belle truite! It's like a 3-pound sea trout. Yeah! Ami pêcheur. Ah, yeah. Yes, good, good work. Bon travail, mon ami LG. Puis là, on vient d'arriver d'un endroit où c'est peut-être un peu moins pêché dans sa rivière secrète. Moi, je suis excité. Yeah! Hey, c'est-tu pas une belle truite de mer, ça? Merci. J'en ai un! Je sais pas c'est quoi, mais... Ouh! C'est brown trout! Là, on est rendu avec une autre sorte de truite. On a pris la truite de mer et maintenant, une belle truite brune. C'est la première fois que je vois ça avec les saumons, la truite brune. Oh, garçon, qu'est-ce qui vient de sortir? Il y a un méné. Excusez. Je suis désolé de t'enlever ton lunch. Que voici la truite brune de la Norvège. Dans une tonne. Ça veut dire mille merci. Bye. Ça
c'est encourageant. Écoute, on a pris des truites de mer, truites brunes, il reste juste le saumon. Mon premier saumon norvégien sur la ligne! Ça n'a pas d'allure pêcher dans les gros bouillons comme ça! Oh là 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 là! La rivière secrète, le premier saumon norvégien. Il n'est pas encore pris, par exemple. Il est assez, c'est lourd. C'est un petit grill, là, mais c'est superbe. Capote! C'est fou, là! Il me fait pêcher dans des rapides, mon ami. C'est très spectaculaire, ce que je vis là. Les petits sont plus difficiles à attraper par la queue parce que c'est comme plus petit la queue, donc c'est plus difficile. C'est comme une barre de savon. Puis là, on est dans des rapides assez intenses. Le voilà. Le voilà, mon premier saumon norvégien. Oh, wow! J'ai réalisé le défi de mon premier saumon norvégien grâce à LG. So, and this is a female. Ici, on sent que c'est plus gros, donc c'est des œufs qui sont là. C'est pour ça que c'est une femelle. Merci beaucoup. Thousand talk. Thousand talk. A thousand talk. Thousand talk. Merci beaucoup, LG. Yeah. Merci beaucoup. Oh. Moment magique. Magic moment. Ami pêcheur, merci, merci. Thank you for everything. Merci pour tout. C'est super. C'est vraiment super. Il y en a un. Ha! Il vient de le perdre. Il vient de le perdre. As-tu vu où c'est qu'il pêche? As-tu vu les bouillons d'eau qui sont là, les rapides? Il les prend dans un bouillon blanc, lui. C'est un pêcheur phénoménal, ce gars-là. Il pêche toute la rivière au complet. Tout ce qui est rapide, il appelle ça des pockets où est-ce qu'il peut avoir des saumons qui sont parqués entre les roches. Tu vois, gars, j'en ai pris un, puis là, il vient d'en perdre un. J'apprends énormément. Merci, Calamouche. J'apprends plein d'affaires. Au Québec, là, souvent, on pêche les fausses identifiées avec la belle pancarte, puis c'est correct. Mais il y a autre chose que je découvre, que tout ça, ça peut contenir, évidemment, des saumons. À première vue, là, tu regardes ça, tu dis, « Hey, il n'y a pas de saumon là-dedans. » Mais non, erreur! Quand la roche, là, elle coupe le courant, le saumon va se placer derrière lui. Il est totalement au repos. Et souvent, c'est là qu'il est le plus agressif, c'est ce qu'il me dit. C'est sûr que c'est très physique de pêcher dans ces endroits-là, là, mais bon. Je pense que ça vaut la peine, la preuve est faite. LG, il y en a un! Yes, LG! Aïe, aïe. Le v'là accroché après un beau saumon. Woohoo! Yay! Yeah! C'est beau, LG! Whoa. Yeah, just let it go, let it go, let go. A lot of power, they never give up, you know. Il y a beaucoup de pouvoir. Oh, félicitations! Congratulations! Nice. The fish in this river, since this river is very shallow, they aren't very broad like this. But they're broad over here, as you can see here now. Now, see the tail of the fish. The fish in this river have a characteristic, it's quite big tail for its size. Because it's such a strong current in this river, a lot of rapids, a lot of shallow rapids. So the salmon here has adapted to this river. This here is like a 3.5-pound fish. But it has the tail of a 4 or 5-pound fish from another river. Ami pêcheur! Yeah, bravo, bravo, LG! Yes!
y en a un. LG, il y en a un. Yeah. Wow. It's a nice fish. Oh, beau poisson, vraiment, c'est un super beau poisson. Wow. Yep. Okay, you got it. Look there. T'es un guide exceptionnel, mon ami. Prendre des saumons là-dedans dans des bouillons de la sorte. Ah. Wouh! Fisque pas! Fisque pas! Yes! Il est gros, lui. Oh là 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 là! Merci beaucoup, LG! Je vis des moments de ma vie mémorables. Là, il vient de me dire que ça va être long, le combat, parce que c'est pas un grill, c'est vraiment un beau saumon au-dessus d'un grill. LG m'avait gardé le gros pour la fin. Hey, ça se peut-tu? Quatre saumons, ça... c'est lourd! Ce bras-là, là, ouf! Gardez le beau saumon qu'on a là. Aïe, 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 il est pas fini, lui. Ces poissons-là sont tellement forts, là. Pour rester dans des courants comme ça, puis monter les courants, on les voit souvent. L'important, c'est de pas forcer pour rien. Wow! C'est reparti. C'est difficile de pouvoir l'amener à cause que le courant plus son poids, ça fait une tension extrême sur la canne, là, présentement. Oh, le beau saumon! Oh, le beau saumon! Yeah! Aïe, ça, mon ami! Wow! That's a 10-pound fish. Look how fat it is. Wow! Je peux pas être plus heureux que là. LG, wow, phénoménal! Là, j'ai dit là, que j'avais préparé mon vocabulaire pour les saumons norvégiens. Puis c'est Tusen Tok. Tusen Tok, c'est merci mille fois, mais là, ça va être Tusen, 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 Tusen Tok. And to this fish and to you, my friend. Thank you. It was... Ami pêcheur. Thank you very much. Thank you. Thank you. That makes me really happy. Cette émission vous est présentée par l'Ami du Moucheur, Tourisme Centre du Québec et Toyota Victoriaville. Cette émission vous est également offerte par Michel Maheu Sport Remec, Guideline, Groupe Roy Auto, Prince Craft et McCafé.